Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler de gaming et du remake de Dead Space, donc qui est sorti aujourd'hui le 27 janvier 2023. Et donc c'est un jeu qui est édité par Electronic Arts et développé par EA Motive Studio. Interdit au moins de 18 ans parce que c'est quand même ultra gore, mais c'est un excellent jeu et donc je vais vous en parler dans ma critique aujourd'hui. Alors ce sera un avis avec une analyse puisque je n'ai pas fini le jeu, j'ai à peu près 3 heures de jeu à mon actif pour l'instant, donc j'ai pas été encore au bout du jeu. Je connais l'histoire, je connais la fin, donc je peux vous en parler et vous donner déjà un avis, une petite analyse sur le jeu, donc c'est ce que je vais faire. Il faut savoir que Dead Space, déjà, c'est un jeu qui est sorti en 2008 à la base sur PlayStation 3, donc édité par à l'époque Visceral Games, enfin édité, développé par Visceral Games et édité toujours par Electronic Arts. Et donc en 2021, ils annoncent justement un remake de ce jeu-là, donc complètement une refonte complète du jeu où ils reprennent le jeu de base, ils gardent l'histoire, ils gardent les mécaniques du jeu, mais par contre, ils la font à la Last of Us Remake, quoi. Ils refont le côté graphique et le côté ambiance générale, enfin voilà, ils lissent l'image, ils font du 4K, voilà, ils refont un vrai remake du jeu. Et effectivement, vous allez voir dans l'analyse et dans mon avis là, ça envoie quand même un peu du lourd, hein. Honnêtement, j'ai été un peu bluffé. Mais bon, on va en parler tout de suite. Je vais vous mettre en immersion avec du gameplay maison que j'ai capturé sur ma PlayStation 5. Et on va en parler du coup en regardant le gameplay. Donc c'est parti tout de suite pour l'avis et l'analyse de Dead Space Remake. Donc au niveau de l'histoire, de Dead Space, on se situe en 2508. Les ressources de la Terre sont presque épuisées. Et les êtres humains ont décidé d'envoyer des vaisseaux dans l'espace et de conquérir un peu l'espace pour trouver des nouvelles planètes et récupérer des ressources naturelles, etc. Pour les êtres humains et puis pour subvenir aux besoins de tout le monde. Et donc il y a un de ces vaisseaux, l'USG Ishimura, qui est parti justement récolter des matériaux et qui ne répond plus aux appels. Et donc, on envoie une équipe de secours pour aller voir ce qui se passe. Donc, ça fait très Alien, hein, dans l'idée, Alien 2 surtout, quand ils envoient une équipe de secours donc sur la planète, parce que les colons ne répondent plus. Donc, c'est un peu pareil, en fait. Et puis, vous allez voir que le scénario et l'histoire se rapprochent quand même pas mal de Aliens, même dans l'ambiance. On en parlera plus tard. Et donc, vous incarnez le personnage qui est à l'écran, Isaac Clarke, qui est en fait un mécanicien et qui n'est pas un soldat. Et qui va se retrouver confronté à une avarie de son vaisseau qui va s'écraser sur l'Ishimura. Il va partir un peu explorer ce vaisseau. Et tout de suite, il va y avoir en fait des espèces de nécromorphes, ils appellent ça, des espèces de zombies qui ont envahi le vaisseau. Et donc, il va devoir réussir à s'échapper. Je vous en dis pas plus pour l'histoire. Et petite précision, il n'y aura aucun spoil tout le long de la vidéo, donc soyez tranquille de ce côté-là. Concernant la technique, le travail est excellent. Electronic Arts, ça fait du super boulot. Les textures sont hyper nettes, hyper lisses. Il n'y a pas d'aliasing, il n'y a pas de popping. Alors après, on n'est pas dans un monde ouvert, donc effectivement, ça serait encore dommage qu'il y ait de l'aliasing et du popping sur ce genre de jeu, mais franchement, le taf a été fait. Là, moi, je joue en 4K 30 FPS en enlevant le grain de film et le flou de mouvement parce que j'aime pas ça. Franchement, l'animation est fluide, ça ralentit pas. J'ai pas constaté de bug sur les 3 heures de jeu que j'ai fait. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et le plus impressionnant sur ce remake, c'est les effets de lumière et les effets volumétriques. C'est impressionnant le taf qu'ils ont fait là-dessus. Au niveau des reflets, des lumières dans le vaisseau qui bougent, vous pouvez le voir sur les images là, les effets volumétriques, la fumée, les espèces de petites particules, les étincelles, les lumières qui clignotent. Enfin, on est vraiment immergé dans le jeu. Franchement,
le taf est super bien fait concernant la technique générale du jeu, que ce soit les textures, les animations, que ce soit les effets de lumière, les effets volumétriques, tout est super bien géré. Et on n'a vraiment plus du tout l'impression d'être devant un jeu de 2008, on est clairement devant un jeu next-gen de 2023, quoi. Au niveau de la direction artistique, c'est du tout bon, mais aussi c'est quelque chose peut-être qu'on aura déjà vu. Je reprends l'exemple d'Alien, on a l'impression d'être dans le vaisseau le Nostromo avec Ellen Ripley, avec ce côté très métallique. Voilà, on est dans l'espace, c'est des jeux qu'on, enfin des styles de jeux qu'on a déjà vus. Mais là, ça marche très bien. Vous pouvez le voir à l'écran aussi, hein, au niveau des environnements. On reste vraiment voilà, sur un vaisseau spatial, avec c'est un peu labyrinthique, mais ça reste très soigné et l'ADA fait bien son petit effet là-dessus. On sait vers quoi on met les pieds, hein. On sait qu'on joue à un jeu de survival dans l'espace, donc faut pas s'attendre à avoir des grandes plaines vastes, etc. On est vraiment plongé au cœur d'un film d'épouvante, d'un film d'horreur, et ça marche vraiment bien. Et d'ailleurs, je vais vous laisser un petit peu sur ça, je vais vous laisser l'ambiance du jeu pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et puis on se retrouve tout de suite après pour la suite du test. Au niveau du sound design et de la musique, là, c'est là que le travail était le plus important, je trouve. Enfin, tout ça me concernant. C'est impressionnant le nombre de petits bruits qu'on a dans le vaisseau, le craquement de la tôle, les étincelles, les bruits de monstres, les bruits de pas. Enfin, c'est impressionnant. On en prend plein les oreilles. Moi, si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai une salle de ciné avec un ensemble de sons en Dolby Atmos. J'entends les bruits arriver du plafond, sur les côtés, derrière. Enfin, c'est hyper bien spatialisé. Le sound design est vraiment top à ce niveau-là. C'est vraiment glauque, le son est étouffé, c'est vraiment bien fait. Et puis au niveau de la musique, il y a franchement des inspirations d'Alien. Quand il y a des attaques de monstres et autres, quand la tension est palpable, on ressent tout de suite cette musique qui vous glace un peu le sang. Et qui vous plonge immédiatement dans l'ambiance. Et franchement, c'est chapeau bas de ce côté-là. D'ailleurs, je vais vous laisser une petite partie pour justement vous montrer la musique et le son d'ambiance, parce que ça vaut le détour. Alors, au niveau du gameplay, c'est un point fort du jeu aussi. Moi, j'avais peur que ce soit un peu comme Callisto Protocol, puisque si vous suivez aussi la chaîne, vous savez que j'ai fait le test de Callisto Protocol et que c'est des anciens développeurs qui ont fait Dead Space qui ont réalisé Callisto Protocol. Et le personnage dans Callisto Protocol était lourd,
Il était long à recharger, il n'était pas très. Niveau maniabilité, c'était pas le top. Et là, par contre, c'est tout l'inverse. On sent que voilà, Dead Space et le jeu de base hein, qui a servi à faire Callisto Protocol. Et on voit que c'est maîtrisé. Hein. Je veux dire, c'est très fluide. Le personnage est pas trop lourd. Il se dirige facilement, on se retourne facilement, on recharge très rapidement, on change d'arme très rapidement. Au niveau de l'interface, c'est très bien géré. Et le gameplay est vraiment très très soigné. Et du coup, on prend vraiment plaisir à jouer le héros. On a des pouvoirs, comme vous pouvez voir à l'écran, là, télékinétiques, qui permettent d'attraper des objets, de les relancer sur les ennemis. On a des pouvoirs aussi de stase qui permet de ralentir les ennemis en leur jetant justement une stase sur eux, ce qui permet de les ralentir et de les tuer. Et puis ces différents pouvoirs, vous pouvez les recharger via des items ou alors directement sur des bornes qui sont disposées dans le vaisseau, que ce soit pour votre vie qui se trouve dans votre dos ou la stase également dans le dos sur le côté. Et si vous trouvez ces items ou ces bornes de recharge, ça vous permet de vous recharger assez rapidement. Mais voilà, le gameplay est quand même très viscéral, c'est super maniable et c'est très agréable à jouer. Avant de passer à la conclusion du jeu, je vous laisse sur une dernière partie de gameplay pour que vous vous fassiez une petite idée un peu plus globale du jeu, puisqu'il y a des passages dans le jeu en zéro gravité, c'est-à-dire que vous arrivez, le son est complètement étouffé, vous n'avez plus de gravité, vous pouvez voler avec vos bottes, vous avez des espèces de petits réacteurs sur les bottes et les mains pour pouvoir avancer. Ces parties de jeu sont vraiment grisantes. Et je voulais vous montrer un peu ça et que vous puissiez vous faire une idée de ces parties de jeu parce que c'est vraiment hyper intéressant et hyper satisfaisant à jouer. Donc je vous laisse là-dessus et puis après, restez bien, il y aura la conclusion. Et je vous laisse sur cette partie de gameplay. Utilisez vos propulseurs pour l'atteindre, mais le conduit devrait vous emmener directement à l'ingénierie. Voilà les amis, j'espère que cette critique et ce gameplay un peu maison vous aura plu. Vous avez vu du coup qu'ils ont fait du neuf avec du vieux, mais qu'ils l'ont très très bien fait. Ça marche très bien. L'angoisse est bien présente. Le côté graphique est vraiment magnifique. Ils ont vraiment tout repensé. L'ambiance générale, le sound design, c'est aux petits oignons. Franchement, on en prend plein les yeux, plein les oreilles. Et honnêtement, c'est un excellent, excellent jeu. Il mérite les notes qu'il a eues dans la presse. On est sur du 17, 18, voire même 19. Donc effectivement, ils n'ont pas chômé. Ils ont bien travaillé sur le remake. On est vraiment sur le haut du panier en termes de jeux vidéo remakés, entre guillemets, puisque c'est un peu la mode en ce moment de faire des remakes de tous les jeux qu'on a joués il y a 10, 20 ans. Mais en tout cas, ils l'ont très bien fait. Ça reste un excellent jeu d'Electronic Arts. Est-ce qu'ils vont nous faire Dead Space 2, Dead Space 3 en remake? Parce que le Dead Space 3 n'avait pas très bien marché. Le Dead Space 2 était pas mal. À voir si celui-là marche. Est-ce qu'ils vont faire la suite? Je n'en sais rien. En tout cas, celui-là, c'est un excellent titre. Moi, je vous le conseille fortement. Surtout si vous avez jamais joué au premier en 2008.
Foncez sur ce jeu, si vous aimez les survival horror, etc., vous allez kiffer. Donc voilà, donc on arrive sur la fin de cette vidéo. Pensez à vous abonner si cette vidéo vous a plu, et également si les vidéos du catalogue que j'ai sur la chaîne vous plaît, parce que je commence à avoir plus d'une quarantaine de vidéos maintenant. Donc pensez à vous abonner, pensez à activer la petite cloche si jamais vous voulez être avisé des futures vidéos à venir. Lâchez des pouces, mitraillez de pouces en l'air, franchement je le redis à chaque fois dans mes vidéos, c'est peut-être un peu rébarbatif, je le sais, mais c'est ce qui permet à la chaîne de grandir. C'est vraiment, vous vous rendez pas compte de la puissance de ces pouces, quoi. Donc si vous avez aimé, voilà, mettez des pouces. Si vous n'avez pas aimé, mettez des pouces en bas, c'est pas grave. Si vous avez aimé, par contre, si vous voyez que la qualité de la vidéo et puis la qualité de ma critique vous plaît et vous trouvez ça bien, lâchez des pouces. Ça vous prend une seconde, vous cliquez, et moi, ça me permet de faire évoluer ma chaîne. Donc je compte vraiment sur vous. Voilà, je vous kiffe, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, 550 bientôt là, ça a pas mal monté ces derniers temps, donc je compte sur vous, on va faire grandir la chaîne ensemble, c'est le plus important. Donc voilà, l'aventure YouTube continue pour moi, j'espère qu'elle va continuer en votre présence. Voilà, moi je kiffe faire les vidéos de plus en plus, vraiment je prends trop de plaisir à les tourner, à vous les présenter et à voir que tous vos commentaires. Donc franchement ça fait trop plaisir. Justement, laissez des commentaires si vous avez aimé le jeu, si vous avez déjà joué à ce jeu là, si vous comptez l'acheter ou non, enfin voilà, qu'on en discute dans l'espace commentaire. Moi je réponds, si vous regardez les différentes vidéos, je crois que j'ai répondu à tout le monde, il n'y en a pas un que j'ai oublié. Donc voilà, je prends du plaisir à partager avec vous, donc j'espère que c'est réciproque. On se voit très rapidement sur une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.